Zeus, Hadès, Poséidon, Héphaïstos, Athéna, Héra... Putain, Hercule, Arès, Hélios, Hermès, Gaïa, Chronos. Il doit en manquer, ben putain. Je ne suis pas certain qu'il puisse naviguer. Il faudra. Et maintenant ? J'ai besoin d'espace. Qu'est-ce que je peux faire ? Tu en as assez fait. Il se réchauffe. Tada! On avance! Parfait! Mais n'oubliez pas, ce bateau ne peut que nous rapprocher. Le temple de Tyr est au sommet d'une immense chute d'eau et, hélas, nous sommes en bas. Même si nous y arrivons entiers, il nous faudra encore remonter la cascade. Les Vannes ont construit le plus grand navire qui soit, et ils volent. Kisblasnir. Oui, parce qu'il était conçu pour, pas celui-ci. Peu importe, nous n'avons que ce bateau, nous ferons avec. Sur ce qui doit être le plus grand iceberg que j'ai jamais vu. Au moins, le feu nous réchauffe. Et maintenant ? Oh. Il découvre ? Bien, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, les voiles sont libres. Regarde. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Ah, je me rappelle plus de ce qu'il voulait que je fasse. Ah, il va la mettre au-dessus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comment vont-elles pouvoir prendre le vent? Voilà. On flotte! La chaleur des flammes! Elle nous fait flotter! Ah ah! Vas-y, amuse-toi, Orion, si tu veux. Pas pour longtemps, reste sur le bateau. C'est incroyable! T'as fait une grande lanterne volante. Non. Je vais aller plus vite que toi. Je savais pas si t'étais là ou pas encore, Orion. On est coincé sur ce pont. Je peux faire quelque chose ? Je t'ai dit de rester sur le bateau. Je me rappelle plus de ce qu'il faut faire. Il y a le coffre là, il y a un coffre en bas. Aha. Je
maintenant on va où? Comment on monte? Il y a un coffre au-dessus de moi, je sais pas comment le récupérer. Ah, je sais. J'ai même pas mis un temporaire. Ah, apparemment, je suis un monstre. J'aurais dû mettre temporaire, c'est vrai. Bon, ben voilà, c'est bon, on est bon là. Baldur et toi avaient détruit la seule porte menant à Jotunheim. On ne peut plus rien faire. Et le garçon, il souffre mille morts. La tête lui tourne tellement qu'il est en train de... Atreus n'est pas ton problème. Il pourrait bien devenir le problème de tous si tu n'y fais rien. T'as besoin d'être l'homme le plus intelligent du monde pour s'en rendre. Atreus. Je peux t'aider? Ensemble. Ensemble. On a réussi. On est libre. On va réussir à sortir d'ici. Affronte-moi, père. Il est temps d'en finir. Oui, mon fils. Il est temps. Non. C'est encore cette voix. Est-ce que tu sais qui c'est? Je ne sais pas. Ah, on est juste en dessous du corbeau. Je crois. Ouais. Enfin, à côté en tout cas. Iceberg, à bâbord! Accroche-toi! Oh oh. Mettez-le feu! À tribord!
j'ai pas vraiment les bonnes runes. C'est cool les esquives, ça marche bien. Je vais d'abord les tuer, je crois. Salut Malaga, bienvenue. Ah, je crois qu'on est bon. Go! Avant d'atteindre le temple. Oui, on va geler. Si on parvient à maintenir cette vitesse et que les flammes ne s'éteignent pas, on y sera en un rien de temps. Bon, faut trop. Tu vas te prendre un rocher, toi. Voilà. Merci pour le follow, Malaga. Et bienvenue. Quelques chances de runes. Avoir plus de runes d'attaque pour les dagues. Locke est en train. Locke est là-haut, il me fait chier. Voilà. Non, me fais pas ça maintenant. Allez. Voilà. C'est gentil. Bienvenue. Fatigant ce passage. Allez.
Ouch. Tout va bien. J'ai trouvé une terre de guérison. Tout va bien. Philippe. Au revoir, monsieur le corbeau. J'aime bien l'écureuil. Cool. Ciao. Comme un bourrin, mais... Y a vraiment aucune technique là par contre. C'est bourrin bourrin. Ouh. Pour éviter de perdre le feu. La roue du bateau s'est fait harponner. Ils sont tous morts derrière. Attention. Hop là. Avec les toutes les nouveautés qui arrivent, je pense que le prochain jeu à stream, ça va être le Tomb Raider, le mois prochain. Parti. Ouais, je pense que le prochain Tomb Raider déjà. Red Dead, ouais, sûrement aussi. Mais ça sera pour plus tard.
Spider-Man est pas mal. C'est vrai que de ce que j'avais vu à l'E3, là, quand ils l'ont présenté tous, il a l'air vachement bien. Il est temps, mon fils. Je vais pas le prendre, mais... Regarde tout ce que tu as fait. L'air cool. Arrivé. Il sera pas sur PC un Red Dead hein. En tout cas pas pour le moment. S'ils le font sur PC, ça va sûrement être comme c'était ça, ton idée. GTA. Vous êtes tous les deux malades. Nous quittons ce royaume maintenant. Si seulement on n'avait pas détruit le chemin du retour. Ouais, non, mais comme GTA, genre un an après la sortie avec tous les DLC et tout le bordel. Je pense que c'est la Godin qu'on sert ses meilleures pistes sur U29. Mais ça m'étonnerait que ça arrive sur PC. Rockstar sont pas vraiment après... Enfin, le premier Red Dead Redemption, il était que sur console. Hein. J'ai jamais vu le jour sur PC. Hein. Donc c'est fort probable qu'ils fassent exactement la même chose. Hein. Enfin, je serais pas étonné, moi, en tout cas, hein, si. Je serais pas du tout étonné qu'ils le mettent pas sur PC. Nous sommes chez Odin. Je reconnaîtrais son mauvais goût entre mille. C'est Wrong Turn, ça va. Regarde, c'est le panneau manquant à propos de tir. On va virer ça. On va zapper ça. Il est pas sur PC, hein. Red Dead Redemption, hein. Tu peux y jouer via le PlayStation machin, là. Je sais pas comment ça s'appelle. PlayStation quelque chose. Tout à l'heure, ce que tu as vu... Je n'ai rien vu. Tu ne m'as pas vu avec quelqu'un. Un vieillard. Quel vieillard? On peut y aller? Oui. Oui. Comme tu veux. Très bien. Retournons à Midgard pour fabriquer cette clé. Où est le nain? Tu vois, sur Rockstar Social Club, il est à 30 ou 40. Et c'est la version PC. Ouais, je vais regarder ça après. Bien, tête. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que Baldur était le fils de Freya? Mais oui! Je suis surpris à chaque fois que je l'entends, et pourtant, je le sais. Mais quand je pense à Baldur et Freya, je... Lumière ? Oui, mon enfant. Freya. Qu'y a-t-il, mon frère ? Tête, dis-moi quel est le point faible de Baldur. Baldur est insensible à toutes les attaques, physiques ou magiques. Hé, qu'est-ce qui se passe ?
Un sortilège l'empêche de dire ce qu'il sait. Vraiment? Mais oui! C'est l'évidence même! Oh, je me demande bien de quand. Quand elle a eu ma tête entre les mains, ou dès que j'ai découvert le point faible de Baldur? Mimir? Oui, mon enfant? Tu viens de dire que tu connaissais le point faible de Baldur? Mimir. C'est pour la fabriquer. Est-ce que c'est une arme? Une armure? Ou le genre de matériel de guerre dans lequel je suis pour ainsi dire le meilleur? Non? Alors n'y compte pas. Même si je voulais fabriquer une telle babiole, je risquerais de débrécher mes outils en forgeant une chose si délicate et si féminine. Alors martèle-la. Damasse l'objet avec des scories renforcées, affine les couches au maximum et superpose-les. Ok, gros malin. Et où est-ce que tu penses pouvoir trouver un éclat de cette qualité? La dernière fois que j'en ai vu un, j'étais encore capable de lever mon gourdin. C'est pas vrai, c'est vraiment... Oh, les frères se réconcilient. J'ai dû me salir les mains. Reste pas planté là. Allez, au boulot. Mais ça ne te dérange pas de travailler? Je le vois, mais ça veut pas dire que c'est du PC. Hein. Bah, pourquoi pas? Quoi? Moi aussi, je peux changer. Hey, protège ton dos. Détends ton poignet. C'est toi qui vas te détendre. Allez, plus de température. Chaudement. Tu vas renforcer cet acier encore longtemps? J'ai pas besoin de ça. Je vais tremper trois fois dans l'huile de drogueur. Oh, tu vois? Très astucieux. Et hygiénique. On va zapper ça. Tu es malin comme un singe. Les frères qui papotent, c'est pas vraiment intéressant. Mon frère et moi, on a un nouveau... Qu'est-ce que vous voulez? Avec la pierre à aiguiser et le marteau que vous nous avez apporté, Brock et moi pouvons recréer DV Graphiqueur, l'armure légendaire des nains. Il nous faut encore trois matériaux mythiques avant de pouvoir la forger. Ah! Lesquels? Aucune idée. Vous voulez... On peut faire ça, c'est bien. On va faire ça même, c'est pour l'armure légendaire là. La forteresse est au nord-ouest. C'est derrière la tour du royaume de Svartalfheim. Grande structure en pierre. On va faire ça, il y a un dragon à sauver. On n'a plus qu'à trouver à quelle porte correspond cette clé. Elle doit être quelque part autour du temple. Il y a un dragon à sauver et il y a trois parties d'armure à crafter. Non, deux. Une. On va avoir un set d'armure, je crois. Deux sets. Je sais plus. J'arrive toujours pas à les trois lots et les deux lézards. Maintenant qu'on a la clé, on peut ouvrir la grande porte quand on veut. Explorons un peu. Ah, c'est chiant. Ou alors les faire tomber, ça marche bien aussi. Les faire tomber dans le précipice, tous en même temps avec la rage. Oui. En faisant la vague. Pourquoi tu dis que Tyr se sentait coupable de ce qu'Odin a fait aux géants? Il y eut un incident peu après que Mjolnir fut forgé, quand Tyr voulut organiser une rencontre diplomatique entre Odin et les rois géants. La grande guerre était encore jeune, la victoire merci semblait encore possible, et les Jotnar pouvaient faire pencher la balance en faveur des Valles ou des Arles. Odin avait persuadé Tyr que le marteau n'était qu'un simple moyen de dissuasion, afin de négocier la paix en position de force. Tyr espérait convaincre chaque camp que la paix leur serait profitable. Il savait que les géants craignaient le marteau, une arme redoutable entre des mains dont ils se méfiaient. Mais Tyr avait leur confiance. Tyr était de nature optimiste, et il croyait Odin sur parole quand il affirmait vouloir la paix. Il emmena donc le roi Corbeau à Jotunheim. Ensuite, tout se passa très vite. Les géants avaient vu clair dans le jeu d'Odin et mis au jour ses véritables intentions, s'approprier leur savoir secret. Grâce à leur magie, ils chassèrent Odin de leur royaume et l'en bannirent à jamais. Ou je peux te raconter cette histoire plus tard. T'en es occupé là. Et on va faire une des quêtes, les... Bah je crois la dernière quoi. Une des plus grandes et une des plus dures, logiquement. Mais on va avoir les armures des nains. Sepulty.
par où on passe. Il y a plein de choses. Oh, c'est quoi ces lags? Non, pas là. Atreus, par ici. Atreus. Ça dit, gloire à Mozognir, le roi Nant. Son règne est trop long, prospère et paisible. Allons-y. Oh, nouvelle. Enfin, nouvelle. Ah, on a la brume mortelle, dit Fanny. Augmenterait légèrement, mais façon permanente la régénération. On l'a en plus. Mouah, 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 mouah. C'est un peu de la merde. Ouais, enfin, on s'en fout, nous. Ah, y en a d'autres. Ah, des violettes. On s'en fout un peu de ces armures. Mais est-ce qu'on peut les transformer en enchantement? Ça, c'est une bonne question. Non. Parfois, le meilleur achat est celui qu'on ne fait pas. Bon, c'est parti. C'est parti, c'est ce que je dis. Ah, il y a du combat encore. Ouais. C'est bon. C'est bon, c'est ce que je dis. La Doom PS4. Le nouveau Doom quoi. Enfin le nouveau. Ouais, le remake. Oui, déjà fait en entier. J'ai même un playthrough sur ma chaîne YouTube. On l'a fait en difficulté la plus élevée. Enfin, sauf la difficulté à la con, c'est que on perd la sauvegarde si on meurt. Ça non. Alors, perdre la sauvegarde, c'est con. Laisse mon fils. Capturer plusieurs dragons, c'est qu'il devait en avoir besoin pour créer son armure légendaire. Exact. C'est une remarque intéressante et ça se tient. Presque tout dans le dragon est utile et détient un pouvoir. Les dents, les tailles. Les crocs. Mais oui, et quel pouvoir. Voilà, trop dessus. Oh, je le savais. Non. Non, pas. J'attends avec impatience le nouveau, par contre. Doom Eternal, le deuxième. Ralentir. Rocher.
Boum. Il sort quand? On sait pas encore. Il n'y a pas de date. Moi, je dirais dans la fin de l'année, mais je pense que ça va être l'année prochaine. Courant d'année prochaine. Ah, ils l'ont annoncé depuis un petit mois, deux mois. Hein? Cette porte est impressionnante. Ces matériaux doivent être très spéciaux pour créer une armure légendaire. Cette armure légendaire a intérêt à en valoir la peine. Si Brock et Sindri la fabriquent ensemble, je suis sûr qu'elle en vaudra la peine. Faut récupérer. J'ai confiance en toi, Atreus, mais je ne crois pas à la légende. Allez, on arrête de parler. Oh. Merci. Faut récupérer les autres pierres. Voilà. Le nouveau Doom. On parle du nouveau Doom. Pas de pierre, super. Alors, droite ou gauche? Je me rappelle plus. Non, ça c'est pour faire le tour. On sortira par là, si je me rappelle bien. Oh merde. J'allais dire, Kratos il est tellement prudent. Je pense pas le finir ce soir. Non, il manque encore 4-5 heures je pense. Enfin, si je fais tout. Putain de merde. Merci. Oh my god. Pas mort. Non, avec les Valkyries tout ça, ça risque de prendre un petit moment. Donc je pense pas le finir ce soir. Non. Après, on peut rusher l'histoire, oui. On peut faire ça. Mais je préfère tout faire. Attends, qu'est-ce que tu me fais, toi? Après, il y a la brume à faire. Le monde de la brume. Donc ça aussi, ça va prendre un petit moment. Avec toute la farm et les conneries. Rien.
Boum. Oh ma vie. Oh oui, viens, oui, va dans l'éclair, ouais. Parfait. Là, on va avoir un problème, par contre. D'accord. Ok. C'était quoi cette merde? Ça va aller, ouais. Ok. Trop lent. Il y a juste une pierre devant. Il y a juste une pierre devant. Il m'a saoulé le monde de la brume. J'ai fait Gonduit la Valkyrie RNG plus difficulté art. J'en ai chier à l'heure difficulté God of War. T'as pas le droit à l'erreur. C'est laquelle, Gondul? Celle de la brume? Je me rappelle plus du tout des noms. Ah, c'est pas grave, ouais, je l'ai fait. Trop simple. Elle était chiante, elle. Ah merde, la lotte qui attaque. Ah! Tu veux pas arrêter de nous faire chier, dragon? Sérieux. Ouais, on l'a faite celle-là. Elle nous a pris un petit moment par contre, hein, putain. Trois heures de Valkyrie. Non, j'ai regardé, on a une heure de Valkyrie hier. Trois heures quand même pas. Je suis pas aussi mauvais. Je suis quand même pas aussi mauvais que ça. C'est bon, il est... Non. Voilà. Ça te plaît de les libérer? Et de deux. Oui, je pense toujours que c'est la bonne chose à faire.
Ah merde, on a réussi. Ah la blague. Ah mais c'est même pas qu'elle est dure, celle de la lave, c'est qu'elle est casse-couille quoi, à en crever. C'est juste son attaque à la con là, qui t'enlève la moitié de ta vie. Et qui est extrêmement chiante à esquiver. Balala, balala. Juste qu'elle est, elle est complètement casse-couille quoi. Sacré gaillard. Sans son attaque de merde, elle serait 50 fois plus simple. Voilà, c'est ça Aurélien. Atreus, avec moi. J'arrive. Là. Là, lit, pendant que je me casse. Non, des elfes. Qu'est-ce qu'ils font là, les elfes? Il m'a mis un coup dans les fesses quoi, il m'a tout enlevé. Tiens, voilà, ça t'apprendra ça. On l'a explosé. On l'a explosé avec une pierre. Parfait. Oh putain. Hein. C'est un grand mystère, même parmi les fils d'Ivaldi. Avant sa disparition, le comportement de Mod Sognir était de plus en plus... Ah ouais, c'est trois d'affilée, et puis... Devi Grassica. Pour timer, en fait, l'esquive, elle est atroce. Bien qu'il en ait trouvé deux, je pense que le fait de ne jamais avoir trouvé le troisième matériau l'a rendu fou. Il faut timer l'esquive à mort, c'est horrible. Avec sa boule de feu et tout, là... Il va nous falloir les trois. Ah. Oh, wow, le vortex.
ralenti, c'est beau. Poum, poum. Dague. J'aime bien quand il prend les dagues en main. Oh putain. Tape vite, il fait mal. Les ennemis sont forts ici. Ne baisse pas ta garde. Je suis surpris qu'on rencontre pas d'ennemis encore niveau 9, 10 quoi. Chose, non. Go. Wolfe sur la droite. Ouh, ça l'a stoppé. Ah, cristal. J'aime pas les loups-garous. Wolfer, là-bas. Allez, viens. Sekiro, ouais, Sekiro a l'air bien, mélange de Tenchu avec Dark Souls. Mais bon, ça dépend quand il sort. Je pense que je vais être sur Nioh 2, moi. S'ils font de la, la connerie de le sortir en même temps que Nioh 2, bah, Nioh 2 gagne. On verra quand ça sort. Ok, alors comment on va faire ça? Comment on va prendre l'autre côté? Je m'en rappelle plus. Non, 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 non. Qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Là, il y a une porte. Ah, il y a une date, 22 mars. Oh.